perfect. Inacceptable, mais y compris pour une direction. Une direction, elle doit voir une vision de long terme sur les 5 ou 10 ans. Donc pourquoi se séparer de savoir-faire, de salariés formés qui aiment leur entreprise, qui travaillent bien, alors que d'ici 18 mois, très probablement, vous serez obligé de rembaucher. Sauf qu'ils rembaucheront comment? Ils rembaucheront déjà en intérim ou à bas coût. Ils se seront séparés de savoir-faire et de gens comme vous qui savent travailler, mais en même temps ils auront encaissé l'argent public, les aides diverses et variées, et le PSE sera payé par l'argent public. Ben ça c'est inacceptable. Et ça il faut porter le fer sur... On a un gouvernement qui nous parle relocalisation, souveraineté industrielle, mais avant de parler de tout ça, il faut conserver les savoir-faire. Et les salariés, parce que c'est des hommes et des femmes, c'est pas des chiffres. Et la deuxième chose, je pense que vous en êtes l'illustration, c'est l'argent public. Parce que j'ai été sur le premier site, ils m'ont parlé, voilà, c'est un site qui a 5 ans, il a été inauguré, c'est les collectivités territoriales qui ont abordé, exonéré 12 ans de loyer, y compris les collectivités, mettent au pot. Et ensuite, elle leur dit pendant 12 ans, on se passe du loyer. C'est probablement une entreprise sur des PGE, il va falloir vérifier tout ça. Le chômage partiel, tout ce qu'ils ont économisé sur votre dos. Et aujourd'hui, ils vont vous faire payer à vous la crise pour sauvegarder leur marge et en réalité, les dividendes pour les actionnaires. Donc ça, je vous le dis, on va continuer à porter le fer comme on l'a fait depuis des années et pendant la crise. On ne peut pas avoir un gouvernement... Il va pleurer à Bridgestone en disant oh, c'est pas normal tout ça. Non, il y a une question. Il faut légiférer. Il faut légiférer. Il faut critériser les aides. Alors, on peut aider des entreprises. Il faut que ça aille à l'emploi, au salaire, à la recherche-développement. Et si par contre, il y a des patrons voyous comme à Bridgestone ou comme ailleurs, bah, il faut des sanctions et il faut que les entreprises remboursent ce qu'elles ont touché. Sinon, tout ça, c'est du baratin politique. Voilà. Donc, là, vous êtes l'illustration parfaite. Et donc, moi, je vous dis, je vous apporte mon soutien, ma solidarité, ma fraternité aujourd'hui. Mais on va continuer aussi d'abord à interpeller le gouvernement sur votre situation propre, mais aussi à continuer à porter la situation de tous les salariés pour conditionner les aides publiques. Parce que sinon, il faut qu'on amorce un rapport de force dans ce pays. Et c'est pas possible que l'argent public aille dans la poche des actionnaires ou... pire, comme à Bridgestone, sous-investir dans l'entreprise à Béthune pour ensuite investir massivement en Pologne et qu'à partir du moment où on dit allez, l'entreprise, plus possible, on n'est plus aux normes, ça avance plus et donc il faut aller produire ailleurs. Ça, c'est inacceptable. Et ça, c'est un combat politique qu'il faut mener, j'ai envie de dire, toutes et tous ensemble, puisque c'est le rapport de force qui va les faire plus. Voilà, et donc, écoutez, pas dire heureux, mais si je suis heureux d'être avec vous, même si je préférerais rencontrer une entreprise et des salariés au travail et venir dans un meilleur moment. On vous rappellera. Voilà. J'espère bien. On vous rappellera. Mais en tout cas, voilà le sens de ma vue et je vous remercie de l'accueil et de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà.